Salut à toi, c'est Magali, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire les abdominaux ensemble, 10 minutes intenses. Tu vas pouvoir aussi faire la session d'échauffement qui s'affiche ici si tu as envie de t'échauffer un petit peu avant. Les abdominaux, c'est moins forcément important, mais en tous les cas, un échauffement, c'est toujours bien. 5 minutes pour t'échauffer. Ensuite, 10 minutes intenses d'abdominaux que tu pourras, si tu veux, poursuivre par une autre session de 10 minutes ou alors, pourquoi pas, aller chercher une session de 10 minutes de jambes, etc., etc. Comme ça, ça s'adapte ultra bien à ton agenda, à ton planning. Abdominaux, 50 secondes de travail, 10 secondes de récup. On va faire 4 exercices, 2 tours. Et c'est parti, je vais allez, go! Premier exercice, hop! On va être coude au sol, hop! Buste relevé, et on va pousser une jambe à ras du sol et ramener le genou au buste sur l'autre. Et on souffle, on n'oublie pas de siffler, on n'oublie pas de protéger son périnée et d'aspirer. Je vais vraiment avoir un travail aussi au niveau de l'inverse. Hop, on a fait la moitié. Continue. Très bien soufflé. Allez, 15 secondes. Super. Génial, 10 secondes. On maintient le rythme. Allez, on souffle. Vous allez venir soit serrer les chevilles pour rendre l'exercice plus difficile, soit vous les écarter, on va venir faire toucher les chevilles. Donc le mieux c'est de les serrer et on est parti. Vous faites aussi en fonction de votre niveau. On vient vraiment, hop. Ça travaille aussi au niveau du sternoposto maxo. C'est un nom un peu barbare qui veut dire c'est les muscles du cou. D'accord, qui sont entre le sternum, les côtes, etc. Ouais, c'est bizarre. Mais voilà, c'est normal que vous ayez un petit peu mal ici. Vous pouvez éventuellement aller un peu votre nuque. D'accord, mais tenez bon, il nous reste 20 secondes. Et c'est important de le travailler aussi. Oui. 10 secondes. Allez, on ne relâche pas. 9, 8, 7, 6, 5, jusqu'au bout. 4. 3, 2, 1, et on fait le dernier, on relâche. Ok, nickel. Prochain exercice, on va venir ramener les jambes à 90 degrés, pas trop vers son buste parce que ça triche. À 90 degrés, vous devez déjà sentir une tension. On aspire le nombril, on contracte le périnée, on va venir toucher le sol alternativement par an. On ramène, on tire, on ramène, etc. etc. Il ne faut pas, c'est de relâcher la contraction de l'aspiration sur l'ombril. On essaye, si on peut, bien sûr vous avez une courbure naturelle, mais vous pouvez essayer d'avoir le bas du dos le plus contre le sol possible. Ça vous permet de savoir si vous rentrez bien votre nombril aussi. Alors après on a une courbure naturelle, hein, il faut la respecter quand même. On ne cherche pas à tout prix à aller contre sa nature. Allez, 10 secondes. On continue. Allez. Ouf. Allez, et on relâche. Nickel! Allez, c'est bien. Prochain exercice, extendez un petit peu. On va être ici, bras tendu en haut. Vous allez tendre la jambe et le bras opposé. Et on revient. On tend la jambe et le bras opposé. Et on revient. Voilà. Okay. Il est super efficace celui-là, je l'aime beaucoup aussi. On est vraiment sur des abdos bien profonds, bien gainés. Allez, 20 secondes. Allez, 15. On est ensemble. On lâche pas. Il reste 8 secondes. Allez, on relâche. Ça va toujours? On a fait le premier tour. J'espère que ça brûle bien. Buvez un petit coup, prenez le temps. On a déjà 4 minutes de travail, presque 5. Et on va enchaîner sur le deuxième tour. Une fois que vous avez bu un petit coup, on se recoiffe. On a toujours du mal à se mettre à faire.
Allez, je remets le chrono et on part dans à peu près 5 secondes. En place, tac. Je rappelle, hop, le premier. Allez, on est sur les coudes et on pousse et on ramène. On n'a pas besoin d'aller trop vite. Ce que je ne veux pas voir, c'est ce genre de truc. D'accord, on est vraiment actif. Je veux que vous venez verrouiller. Verrouiller une seconde. 1, 2, 3. Voilà, ça c'est efficace. 4. Si c'est un peu dur, 5. On peut poser un peu le pied et on ramène. 6. 7. Allez, et on continue. Vous concentrez sur vous-même. On n'est pas en apnée. Allez, 10 secondes. Et on continue. Et on continue. Et on relâche. On peut poser. Allez, on repose un petit peu les abdos et la nuque parce qu'on va repartir sur le toucher de cheville. 3, 2, 1, c'est parti. Celui-là, il peut être dynamique, hein, on y va. Just what I'm like on the inside. If you knew what I could do, you'd watch your backside. If you knew what I could do, you'd stay in at night. On aspire. On a fait la moitié. I'm the type of dude, enough is enough, bitch. I'm the type of dude who never gets complacent. I'm the type of dude who knows he's gonna make it on. Allez, 15 secondes. On lâche pas, on lâche pas. 10. Allez, avec moi, avec moi. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, allez, relâche. Impeccable. Allez. Mes deux préférés. Montez les genoux. 90 degrés, on regarde où ça contracte. Si ça contracte pas, on pousse un petit peu. Et c'est parti. On touche le sol, on alterne. Allez. Allez, on ne lâche pas. Voilà, on essaye de plaquer les lombaires au sol. Si on peut. Allez, 30 secondes. On ne va pas tarder à être embêté par mon petit bébé. Il me cherche. 20 secondes. Allez, on tient, on tient, on tient. Ah, voilà. Allez, 10. Voyez, deux excuses. Même si les enfants sont à nos côtés, on peut toujours se faire un petit training. Allez, 4, 3, 2, 1, on relâche. Ah, excellent. Et le dernier, duck dive. Tu l'as, Matt. Allez, on reprend, on est là. On pousse. Allez, on lâche pas. Tiens, on est presque au bout. Je sais pas pour vous, mais moi ça chante bien. Et le voilà. Allez, on est presque au bout. 8 secondes, qui fait avec vous? Allez, 4, 3, 2, 1. Il est à bonne école. Alors, tu fais les abdos? Ouais, tu fais les abdos avec nous? Ouais, bien. Alors, quand on se relève, après les abdos, on se relève toujours sur le côté. Hein, on se relève pas de face. Parce que vous connaissez peut-être maintenant assez, mais les crunchs, j'aime pas trop ça. Et surtout si vous êtes maman et que vous avez accouché, que vous avez un diastasis recti, c'est-à-dire un trou ici entre vos abdominaux, on se relève pas de face. On se pose sur le côté, d'accord? On est là, on se pose, hop, on se pose sur le côté, même pour descendre. Et on pousse avec les bras et on remonte et on revient. Ok? Voilà, voilà! Bon, écoutez, bonne séance!
10 minutes, c'est tout bon. Si vous voulez enchaîner, vous en faites une deuxième. Et si vous avez envie de travailler une autre zone du corps, vous allez sur YouTube, vous allez chercher les vidéos en fonction de ce que vous recherchez. Peut-être un 10 minutes jambes, un 10 minutes peu importe, un 10 minutes cardio intense. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne journée, profitez bien, à bientôt.